Bonjour les amis, content de vous retrouver pour un nouveau quintet pour demain. Alors avant ça, il y avait une course aujourd'hui, je vous avais dit une course très difficile, on a mis des outsiders, ce n'était pas les bons, c'était des autres. Mais bon, une course très ouverte, hein. Il y avait de très bons chevaux, notamment le 5 qui avait gagné trois courses déjà avant. Voilà, en tout cas, j'espère vous de votre côté que vous avez gagné. Voilà, aujourd'hui, c'était une très pas belle journée. Voilà, comme le temps, hein, qui commence à s'adoucir. En tout cas, voilà, c'est pour ça que je vous dis, privilégiez surtout les couplets gagnants placés les 2 sur 4. Ça sert à rien de faire des gros jeux. Voilà, à moins que vous avez eu, vous, de votre côté, les bases. Alors, on va partir demain, le lundi 15 août. On va se rattraper. Ça sera à Deauville-Réunion, en course 3. Départ à 15h15, 1200 mètres. Il y aura 16 partants. Et ce sera le prix du Jockey Club. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 6 Forza Capitano de Barzalona. Je vous ai mis le 1 Indico de Maxime Guyon. Le 4 Mubaleg de Tony Picon. Je pense que ces trois-là, c'est des bonnes bases quand même pour les quintets pour demain. Après, vous faites comme vous voulez. Le 10 Halloween Time de Christian Demuro, un petit outsider. Le 8 Marie Picnic de Mendizabal, pareil. Le 3 Tudobem de Boutin. Le 5, Ozan de Paco. Et je vous ai mis le 2, Biaded de Grégory Benoît. Et en canon partant, je vous ai mis le 9, Chalgoda Diamond de Théo Bachelot. Donc je répète ma sélection. Le 6, le 1, le 4, le 10, le 8, le 3, le 5 et le 2. Et en canon partant, le 9. Petit conseil de jeu, je pense que 6 As 4, c'est de très bonnes bases. Après vous, si vous en voyez d'autres, hein, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, je pense que dans ces trois-là, ils peuvent être sûrs. On n'est jamais sûr des courses, hein, mais ils peuvent être à trois dans le quintet. Car c'est des très bons éléments. Tout le monde va vouloir se battre, hein, pour le prix du Jockey Club. Voilà. Barzalona Guyon, qui est très en forme. On l'a vu encore aujourd'hui, elle avec la deuxième place. Donc, après, voilà, vous faites comme vous voulez. En tout cas, moi, 6 As 4, je pense que ce sera mes bases. Voilà, les amis, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier.